Cirque et Fanfare, c'est terminé pour cette année. La 9e édition du festival s'est en effet achevée hier. Soleil éclatant et foule étaient au rendez-vous pour admirer les différents artistes. La fanfare Eyonlé a su rassembler les deux lois sur des rythmes dynamiques qui invitent au voyage. C'est néanmoins la fanfare Sopaloka qui a conquis le public puisqu'ils ont été désignés vainqueurs de cette édition. En ce qui concerne les compagnies circassiennes, c'est Quatuor Stomp qui a fait l'unanimité auprès des spectateurs. Aussi impressionnant qu'amusant, ils ont animé le parvis de la médiathèque rempli de festivaliers enjoués. Enfin, la soirée s'est achevée le long du port avec un feu d'artifice éblouissant qui a conquis les spectateurs. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine avec une nouvelle édition remplie de surprises